my experience, I think ever since I've come back from the United Kingdom, I realized that my role here as an architect is far broader than what it would be in the UK. So then I feel that my role here is much greater, to not only be able to offer my services just in general and produce more buildings, but to also sort of shift the thinking on how it is that we can create a particular language, architectural language, and methodologies that are a lot more suitable for the context. Et donc l'idée, c'est il y en a plusieurs. D'abord, juste le bâtiment. Avoir un bâtiment qui soit bien dessiné, bien orienté pour qu'il soit confortable thermiquement à l'intérieur. Des matériaux adaptés également aux expositions, protection des toitures pour également le même objectif de confort thermique. Et après, il y a un travail urbain qui est fait, donc notamment avec la place de la végétation. On considère vraiment la végétation comme un allié de nos projets et comme un allié de notre conception bioclimatique. Le fait que la construction de terre et que ce matériau Tifa devienne une chance plutôt qu'un problème, c'est une vraie opportunité pour développer des matériaux qui correspondent complètement à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire des bâtiments économes en CO2, en énergie, et la mise en œuvre de matériaux qui soient peu émetteurs de CO2. And in my personal analysis of the history of architecture here in Senegal, I have realized that the first sort of colonial buildings were sort of forced to adapt to the climate. So we have seen examples of colonial architecture that is bioclimatic. Generally, that is the case. We do sort of start to lose that ability to build this way the moment that technology comes into play. We have the illusion that we have access to cheap energy, which isn't cheap. So then, our reliance on electricity to sort of power AC units becomes sort of a given. Il faut considérer dans le secteur de la construction l'acte de construire et la gestion, l'usage qui peut utiliser des climatisations, des choses qui vont continuer à émettre du CO2 pendant toute sa durée de vie, enfin du CO2 ou d'autres gaz polluants. Et donc, et tout ça, en fait, combiné, c'est environ un tiers des émissions de CO2 mondiales. Donc c'est clair que le secteur de la construction a vraiment un travail à faire, il y a un réel enjeu à le verdir, à le retravailler, à réfléchir aux matériaux qu'on pourrait utiliser et à son impact global. Et donc il y a quelque chose qui se fait en ce moment, c'est l'analyse de cycle de vie. Et donc c'est essayer vraiment de considérer pas le caractère écologique du matériau, pareil, juste dans sa production, mais c'est aussi dans son cycle de vie total, c'est-à-dire combien de temps il va durer, qu'est-ce qu'il a fallu dépenser comme énergie pour le déplacer, est-ce qu'il est recyclable plus tard. Donc voilà, tout ça, ce sont des aspects pour moi qui rentrent dans la réponse qu'on essaye d'apporter en fait au changement climatique à travers nos projets de construction. So I am on a mission, it is one of the main reasons why I came back. I do feel that as an African, we need a bit more of a radical approach. A radical approach that is sort of anchored in our traditional knowledges. So I see in that an opportunity, I think, for us to embrace a different type of future, to really make buildings and cities that sort of work better for us from a climatic point of view, from a cultural point of view, from an economical point of view. And I do believe that the use of locally sourced material, low-tech materials, is going to enable us to do that.